Notre défense, c'est peut-être la meilleure défense de championnat. Mais notre problème, c'est l'utilisation des occasions de but. Mais à la deuxième mi-temps, on a entré bien et marqué le but. Maintenant, c'était juste de finir le match et marquer le deuxième but. Mais 3 points, c'est 3 points. Tel que l'équipe joue, c'est compliqué. Moralement, je crois que ça ne tient pas. Et c'est là où tout le travail doit être fait. Maintenant, s'il faut attendre les derniers matchs pour dire que ça va aller. Comme j'ai dit, ça ne sont que les conséquences des divisions, des querelles des dirigeants. Moi, je crois que c'est ça le véritable problème. Et ça a créé une situation de crise, de psychose, même au sein de l'équipe et tout. Et c'est compliqué. On perd les pédales et puis on prend un but au moment où on ne s'attend pas. Après, ça devient compliqué. Prenez un joueur de canon, là. Ouais. On a l'impression que ça ne doit pas entrer entre coéquipiers. Ça dit que la crise est profonde en canon maintenant? Non, on dit qu'entre coéquipiers, c'est trop dit. Mais je vois qu'il y a l'entente, mais on ne sait pas ce qui se passe. Ça joue et puis voilà. Ça se dispute là, entre coéquipiers, oui, mais vous savez, quand il y a l'adrénaline qui monte et puis on discute, il y a les occasions, on doit marquer et puis on n'arrive pas, on doit se parler et puis voilà, c'est peu ça. Vous m'avez vu en première mi-temps, on a marché sur un joueur demi-camp, mais on n'a pas pu marquer. Mais en deuxième mi-temps, il s'est apaisé sur nous, voilà, c'est le foot.